Alors, nous sommes donc de retour sur notre plateau télé à la place Morocan pour la journée anti-gaspi. J'ai le plaisir d'accueillir donc Valérie du centre social Les Oliviers. Vous êtes animatrice. Je suis animatrice sociale, oui. J'anime des ateliers qui s'appellent Déco Facile, où on customise, on transforme, on crée, voilà, avec pas grand-chose. Mais bon, l'objectif des ateliers, c'est qu'un outil, les travaux manuels. Oui. L'objectif des ateliers, c'est de rompre l'isolement, de créer du lien et de valoriser le potentiel de chacun par l'activité. D'accord. Voilà. Alors, pour nous accompagner avec vous aujourd'hui, donc il y a deux adhérentes. Hein. Oui. Marie-Claude, bonjour. Bonjour. Et Bernadette. Bonjour Bernadette. Bonjour. Alors, dites-moi un peu Bernadette, qu'est-ce que vous trouvez, vous, dans ces ateliers? Pourquoi vous avez eu envie de participer à ces ateliers? En fait, moi, je les ai connus à la journée des associations qui se déroulait sur Saint-Martin-de-Crau. Et puis, j'ai eu envie de voir ce moment de rencontre, de partage. On fait de nouvelles connaissances avec certaines personnes. Et puis après, on apprend avec plusieurs matériaux que nous, on aurait jetés. En fait, on voit qu'on arrive à les utiliser sur plein de jolies choses. Et voilà, ça nous fait rapporter de bien belles choses à la maison. Et toujours une bonne ambiance. J'imagine bien, ça se voit. Marie-Claude, qu'est-ce qui vous a donné envie, vous, d'aller aux ateliers? Alors, moi, j'arrive d'une autre région. Parlez bien dans le micro, oui. Oui, j'arrive d'une autre région. Je viens de déménager. Et quand je suis arrivée à Saint-Martin-de-Crau, je ne connaissais personne, évidemment. Et il y avait, en mois de septembre, c'était la fiesta sauce. Je me suis rendue, j'ai rencontré Valérie, qui me dit comme ça qu'il y a des ateliers. Elle recrute Valérie. Il y a des ateliers et je lui ai dit, oui, ça m'intéresse. Et puis, ça me permettait de connaître du monde sur Saint-Martin-de-Crau. Donc, rendue lors d'une journée portail ouverte avec mon mari. Et là, j'ai trouvé plein de choses à faire. Alors, moi, avant, je faisais du patchwork. Oui. Alors, j'aimais beaucoup. Et puis, je voulais passer à une autre activité. Et j'ai trouvé ça très intéressant de pouvoir fabriquer d'autres choses avec un moindre coût. En utilisant des objets du quotidien. Voilà. On a déjà. Voilà. Donc j'ai dit, allez, j'essaye. Et puis après, à l'intérieur de ce groupe, j'ai rencontré beaucoup d'adhérentes et on a tissé des liens d'amitié avec certaines. Donc, c'est très agréable. Et on passe les bonnes journées et je ne peux plus me passer d'aller toutes les semaines aux ateliers. Donc, ça marche bien, les ateliers pour le lien social. Ah oui, c'est très convivial. C'est vrai que ça crée du lien en dehors du pôle famille. Ah oui, moi, je suis essentiellement au pôle famille. Elle se voit en dehors. Et en fait, les liens qui se sont tissés sortent. Du pôle famille. D'accord. Voilà. Et vous, Valérie, donc comment vous en êtes arrivée à devenir animatrice Alors, j'ai eu une chance. J'ai rencontré cette la bonne personne au bon moment. Oui. Je n'étais pas destinée à ça, puisque j'ai fait une association de plein de petits boulots. Et quand j'ai voulu inscrire ma fille au centre de loisirs, j'ai rencontré une personne qui est aujourd'hui ma meilleure amie. Et on a sympathisé. J'ai fini par travailler avec elle dans un centre de loisirs. Et c'est elle qui m'a mis un pied à l'étrier, puisqu'elle m'a dit qu'il y avait des ateliers déco faciles. Je m'y suis rendue pour apprendre, et au final, c'est moi qui anime depuis 14 ans. D'accord. Voilà, donc ça a été une belle rencontre. Oui, oui. Voilà, il y avait des intervenants, ils faisaient appel à des vacataires. La personne qui avait monté ce projet, en fait, était coordinatrice. Et du coup, voilà, donc il n'y a plus besoin de coordinateur, puisque, voilà... J'anime, vous je coordonne. Et vous coordonnez. Oui. Voilà, et je recrute. Et vous recrutez. Et en plus, je garde. J'ai des adhérentes qui me suivent depuis 11, 12 ans. C'est formidable. Voilà. Ça. Alors, expliquez-nous un petit peu votre méthode de travail, parce que c'est déco facile, c'est on utilise quand même des choses qui sont accessibles. Alors, à tous. On utilise du carton, du grillage à poule, de la serviette, du papier népalais, de la coquille d'œuf. Alors, on va montrer un petit peu, là, par exemple, ce galet de la croix. Ce sont des cale-portes, mais ça peut faire bloc papier. Ouais, c'est bon pour vous. Donc les galets sont peints en blanc d'abord pour faire ressortir la couleur de la serviette. Ouais. Et ensuite, c'est du vernis colle. C'est très simple, on peut le faire faire aux enfants, c'est très très simple. Ouais, c'est joli, moi ça m'a beaucoup plu ça. Il y a aussi la boîte là. Alors après la boîte, on peut faire ça même sur une boîte à camembert, on peut faire ça sur un cadre, sur un miroir. Oui, donc ça c'est du carton. C'est du carton, oui.
coupé en lamelles de 5 mm. Ouais. Et ensuite, c'est roulé, collé à la colle à bois. D'accord. Et on peut le bomber pour lui donner. Enfin, on peut le peindre à la bombe hein, pour lui donner différents aspects. Argenté, d'accord, ça va faire très ferraille. Hein. Et après, oui, voilà, on peut y incruster des perles, des strass, des biplates, des cailloux, oui, coquillages. Voilà. Alors, il y a la ensuite, là, il y a la coquille d'œuf. Alors oui, ça, il faut montrer. Ce... Alors la coquille d'œuf, on peut photophore faire sur coquille d'œuf, toute surface. Ça peut être du verre, ça peut être du fer, ça peut être du carton, ça peut être du bois. Ouais. Donc pareil, ça peut être miroir, cadre, meuble, tiroir de commode. Et comment on fait alors la coquille d'œuf? Alors quand on casse les œufs, on enlève la pellicule blanche. À l'intérieur, en fait, oui, c'est le plus important, sinon on ne peut pas écarter les coquilles. D'accord. On utilise une colle à bois qui est transparente au séchage. Et quand on applique sa coquille, on va écarter les morceaux avec un cure-dent, tout simplement. D'accord. Quand c'est sec, on peint. Voilà. On peint par-dessus. Super. Qu'est-ce que vous disiez, Bernadette? C'est un travail qui est assez long. Quoi. De travailler la coquille d'œuf. Bon, ça peut détendre la personne si on est un petit peu... Ah, voilà, c'est intéressant. Ça, ben ça, oui, oui. C'est vrai. Voilà. Non, mais c'est vrai. Hein. Il y en a, elles disent, elles viennent. Et puis, elles sont tellement concentrées sur ça, en fait, que ça... Elles oublient tout le reste. Elles oublient tout le reste. Voilà, parce qu'il faut soucis, bien mettre sa petite coquille. Bien, voilà, là, oui. Un peu comme un pulse, un peu en fait. Hein, voilà. Oui, oui, voilà. Oui. Et donc, ça peut, c'est vrai que c'est agréable à travailler. Quoi. Mais je n'ai pas encore essayé, moi, celle-là. Cette, pas encore cette technique, moi. Ils sont thérapeutiques, elle nous a dit. Voilà. Je crois manuels, que c'est vrai, en plus. Oui. Les travaux manuels, ça a des vertus thérapeutiques. Alors, dites-nous un peu alors, quelqu'un de très nerveux... Oui. Moi, je suis très nerveuse, je suis incapable d'enfiler des perles. Par contre, la coquille d'œuf, ça me calme. D'accord. Et alors, ouais. Marie-Claude, pas du tout. Ça l'énerve. Elle va faire de la mosaïque, elle. Elle customise toute sa maison. En mosaïque, oui. Voilà. Accro à la mosaïque. Voilà. Je trouve très intéressant dans cet atelier. Dans le micro, Marie-Claude. Oui. Dans cet atelier, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on ne fait pas toutes la même chose. Et j'ai envie de faire de la mosaïque, je fais de la mosaïque. La collègue à côté a envie de faire de la coquille d'œuf, elle fait de la coquille d'œuf. Et tout le monde donne sa petite astuce. D'accord, et ça, c'est oui, très intéressant. Et, oui. Et est-ce que le fait, justement, que, de travailler avec des objets du quotidien, de recycler, de réemployer certains matériaux, ça apporte un plus à l'activité? Tout à fait, parce qu'on a l'impression de faire une économie, hein. Ça, c'est important aussi de nos jours. Hein? Oui, tout à fait. Hein? Et oui, bien sûr. Et puis, non, on n'a pas. On va à la déco facile et on sait qu'on ne dépense pas énormément d'argent. D'accord. C'est quelque chose même, qu'on pourra refaire facilement soi-même. Voilà. À la et maison. Puis, on peut offrir, par exemple. Moi, j'ai dans l'objectif mes cadeaux de Noël. Je suis en train d'y penser à l'heure d'aujourd'hui. Oui, c'est vous-même qui les faites. Voilà, je fais mes cadeaux, je personnalise. Ça, c'est une belle idée. Et j'offre ça à tout le monde. Ce que je crée. Un cadeau et que je vous pense avez créé. Que tout le monde est content. Autour de moi, les gens oui, reçoivent un cadeau. Et quand je crée quelque chose, je pense à la personne. Hein. D'accord. Et il est personnalisé. Parce que j'imagine, j'ai une nièce qui aime le rouge. Je lui ferai une décoration rouge. Hein. D'accord. Admettons, oui, hein, c'est vraiment voilà, oui, donc, personnel. Et quand je le fais, j'ai beaucoup de plaisir à faire ça. Parce que je sais que je vais faire plaisir. Et que c'est quelque chose d'unique surtout. C'est ça, voilà, c'est un cadeau unique que vous allez offrir. À moindre frais. À moins de frais et tout le monde mais est content. Fait avec amour. Et ça n'a pas de prix. Voilà, ça n'a pas de prix, oui. Valérie, donc parlez-nous un petit peu donc, de ces ateliers, parlez-nous un petit peu du centre social. Comment est-ce que c'est venu le fait de vouloir justement organiser ces ateliers En fait, je ne suis pas à l'origine, hein. Ce n'est pas mon bébé. Les ateliers étaient déjà créés. Moi, je suis arrivée comme un cheveu sur la soupe pour apprendre des techniques. Mais il s'avère que la personne qui coordonnait en fait ces ateliers, qui faisait appel à des vacataires, a trouvé un autre emploi, donc il fallait prendre le relais. Voilà. Et donc, quand elle m'a proposé de faire un essai, je ne savais pas si j'allais en être capable. J'avais jamais animé, surtout avec des adultes. Oui. Et donc, j'ai fait un essai et je ne suis plus jamais repartie. D'accord. Voilà. Il faut dire aussi mais il ne faut pas perdre de vue l'objectif. L'objectif premier, quand même, c'est de rassembler, c'est de créer du lien, hein, et de valoriser les personnes avec leur potentiel, de se dire j'ai fait, je suis capable de. Oui. Parce que oui, beaucoup de personnes depuis 14 ans, j'en ai tellement rencontré, il y en a énormément qui sont arrivés en disant moi je ne sais rien faire de mes mains. Oui. C'est faux. C'est qu'en fait on lui a pas donné les outils ou on lui a pas donné les techniques pour y arriver. D'accord. Donc c'est une valorisation de soi énorme. Tout à et fait. C'est là où ça a des vertus thérapeutiques parce qu'en fait de découvrir son potentiel, de se faire plaisir et de voir autour de soi des personnes qui disent oh, mais c'est super, mais c'est toi qui l'as fait. C'est oui, juste énorme. Voilà. Oui, oui, oui. Donc, de se sentir bien. Et puis, il y a cet échange aussi
hein, cet échange qui se fait et dans les techniques et dans tout ce qui est même vie quotidienne, hein, puisque c'est quand même un atelier où on ne fait pas que faire des travaux manuels, on parle beaucoup, ouais. Hein, on rit aussi beaucoup. On goûte. On goûte. Oui. Voilà. Tout ce qui est convivialité. Voilà. Mais en dehors des ateliers, on fait d'autres choses parce qu'il y a les ateliers qu'on appelle les ateliers partagés. Donc les ateliers partagés, tout le monde est invité à venir dans ces moments-là avec des dates. Hein. Par exemple, pour le Téléthon, on a été une vingtaine à se réunir. Je ne sais plus combien de séances on a fait, mais ça a été sur 3 semaines, même un mois, où on a fabriqué des objets de décoration qu'on a vendus pour le Téléthon et au profit du Téléthon. D'accord. Donc tout le monde a mis ses petites mains, celles qui avaient envie de faire de la coquille faisaient de la coquille, celles qui avaient... Alors qu'avec de la récup, parce qu'il n'y a aucun budget. Donc d'accord. On fait vraiment avec ce qu'on a, mais ça a permis de récolter 480 euros. Donc on était super fiers, super contents. Voilà, il y a eu une bonne dynamique de groupe. Là, on a eu quelque chose comme 20 adultes et 80 enfants du centre de loisirs qui ont participé à la libération du char, puisqu'en fait, tout ce qui est mobilier et costumes ont été réalisés par les adhérentes et par les enfants pour le char du carnaval et cette manifestation. Là, nous sommes en train de fabriquer 100 paniers en carton. Enfin, quand on dit carton, ils sont très jolis. Voilà, pour le Secours Populaire. Donc, en fait, ils organisent une chasse aux œufs et ils vendent 2 euros le panier. Les enfants vont chercher leurs œufs. D'accord. Et ils vendent des crêpes, des boissons. Enfin, en tout cas, le fruit de la récolte, en fait, permet d'autofinancer des sorties famille. Ah, c'est bien. C'est voilà. Une belle initiative. Voilà, donc pour des bénéficiaires donc, du Secours Populaire. D'accord. Et en parallèle, il y a les chantiers du bien-être. Donc, c'est un partenariat avec les Restos du Cœur où là, je fais uniquement customiser du meuble. Toujours dans le même objectif. Hein. Créer du lien déjà avec les bénévoles des Restos du Cœur parce qu'il faut savoir qu'ils ont des rendez-vous tous les quarts d'heure pour les distributions alimentaires. Donc, c'est très convivial. Ils n'ont pas le temps trop d'échanger. Oui. Donc, ces ateliers permettent pendant 2h30 d'échanger avec les bénévoles et il en ressort des besoins autres qu'alimentaires. Et on peut les orienter sur des structures ou tout simplement les sortir un petit peu de leur isolement. D'accord. Et pareil, quand ils ramènent un meuble qui ne tient plus la route, qui le ramène, c'est eux qui l'ont customisé, qui l'ont rendu beau, hein. Ils sortent beaux, eux aussi. Eux aussi, tout à fait. Voilà. Et puis, il y a aussi la facilité de passer cette porte pour autre chose que pour la question alimentaire. Oui, oui, oui. Donc, au départ, dans les premiers ateliers, on me disait qu'ils ont du mal à passer la porte, même à se poser, à boire un café. Et à partir de 2 ou 3 ateliers, ils commençaient déjà à arriver avec le sourire, à se poser ensemble, celles qui participaient aux ateliers, pour échanger, pour discuter de ce qu'elles ont fait et même au-delà. D'accord. Donc voilà, mission remplie. Mission accomplie. Alors voilà. Un petit zoom peut-être sur les bijoux que porte Valérie. Ça aussi c'est vous, je crois. Non. Alors celle-ci non, mais par contre j'invite à regarder. Hein. C'est très joli, c'est fait avec de la bouteille. Alors c'est une jeune femme qui a créé ça. Oui, donc elle a un site. Il faudrait aller... Avec de la bouteille en plastique. Tout à fait. C'est magnifique. Donc je vous invite à la rencontrer parce qu'elle vous en parlera un peu mieux que moi. Oui. Par contre, ceci, c'est des capsules de café. Ah, capsules Nespresso. Voilà. Oui, oui, oui. Voilà. On va être sponsorisé par Nespresso. Oui. Voilà. Ouais. On c'est a quand fait qui vient, Georges. Dépendant. Oui, il oui. Va venir, Georges. Alors, on fait des bijoux, mais on peut également faire des vêtements, on peut faire des rideaux, on peut faire des chaussures, on peut customiser des meubles. Voilà, on peut faire tout un tas de choses avec... Voilà. Alors ça, c'est des capsules avec de la pâte Fimo, mais sinon, on peut les coudre sur un rideau. Oui, j'ai vu. Et ça peut se laver. Rideau, là, aussi, voilà. Alors celles-ci sont collées, donc on ne peut pas le laver. Il est magnifique. Mais si on le coud sur un voilage, on peut le mettre en bascule dans la machine à laver, lavage à la main. Ça ne rouille pas, c'est de l'alu, donc. Ouais, super. Et c'est superbe. Donc appel à la population. Nous cherchons des capsules. Ah, ouais, ben voilà. Allez, le centre social. Les Oliviers récupèrent des capsules Nespresso. Envoyées par. Voilà. Peut-être que Georges Pounet nous offrira la cafetière, mais. C'est pas sûr. Ben, je vous remercie toutes les trois. Ben, merci, c'est nous. D'être passé nous voir pour parler un petit peu de vos activités. Merci pour votre bonne humeur aussi. Et bonne continuation. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.